très heureux de te parler ici. On est au Théâtre Liberté à Toulon et on vient de voir une pièce assez incroyable qui dure presque 3 heures en fait. 3 heures en fait sur une pièce qui mêle à la fois en fait théâtre, un petit peu de chanson, presque un petit peu de chorégraphie même parfois, en tout cas en nombre silhouette, en nombre chinoise comme ça. C'est une première mondiale, c'est une pièce qui est tenue par simplement 7 acteurs italiens. On a l'impression qu'ils sont beaucoup plus tellement ils intervertissent des rôles, tellement ils multiplient des rôles. Et sur un plateau quasiment nu, croit-on, mais en fait avec une machinerie importante. Et c'est assez bluffant en fait, parce que du coup c'est une histoire qui ressemble en fait à la Genèse et à l'histoire des Hébreux et d'Abraham. C'est une transposition en fait à l'époque actuelle sur l'histoire d'un couple, voilà, qui serait censé un peu représenter l'histoire des Hébreux à eux deux, et à qui il arrive beaucoup de choses, il y a plein d'acteurs à côté, etc. Beaucoup de symbolique dans cette pièce, avec des usages de masques d'ailleurs, hein, qui pourraient rappeler d'ailleurs un peu la Commedia dell'arte, des choses comme ça. Quelque chose d'assez brillant, je trouve, qui prend vraiment le trip, et plus la pièce avance, plus on est dedans, et je voulais évidemment t'en parler sur cette chaîne et dans cette vidéo, parce que c'est quelque chose qui m'a hyper inspiré. J'étais sidéré de voir ça. Plus on avance dans la pièce, plus on est pris en fait. Au début on est un petit peu hors du truc, et puis plus ça avance, plus on est dedans, et c'est assez sidérant en fait de voir ça, et voir la performance scénique de tous ces acteurs qui changent de rôle, qui chantent, qui font des chorégraphies, qui jouent extrêmement bien sur un plateau comme ça. C'est assez bluffant, et voilà. Et donc moi je suis vraiment, c'est voir une pièce de théâtre aussi riche, enfin, qui va si loin que ça, c'est quand même quelque chose d'ultra puissant. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais t'en parler ici avec grand plaisir. Je viens de dire toi aussi ce que tu peux ressentir par rapport à ça en commentaire de cette vidéo, c'est bienvenu. Tout particulièrement sur YouTube, ce serait grand plaisir, n'hésite pas à mettre des commentaires sur YouTube et à mettre un petit pouce à cette vidéo sur YouTube, toujours si elle t'a plu. Et puis n'hésite pas à partager bien sûr cette vidéo depuis YouTube, vers WhatsApp, d'autres messageries, et à t'abonner à ma chaîne sur YouTube toujours. Allez, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, ciao.